montée des eaux, menace de danger pour un Tananarive. L'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo, ou APIPA, a dans son bulletin d'annonce des crues dans la plaine, publié ce jour à 14h, a placé Antananarivo en vigilance jaune aux menaces de danger. Les communes concernées dans le Grand Tana sont Soualandi, Apanif, Souave, Nanoussa Tondjivan, Ampitataf, Kambavad Tukan, Fenoriv, Witos, Ambuchemanzak, Fiedan, Anapangabe. Les averses de ces derniers temps ont effectivement gonflé le volume d'eau dans certains cours d'eau, alimentant les rivières desservant la capitale. Ainsi, selon l'APIPA, à l'échelle d'Anouzat, le niveau de l'Ikyup est de 0,80 m. Le niveau a monté de 0,72 m en 24 heures et continuera à monter durant les prochaines 12 heures. La cote de vigilance de menace de danger jaune à cette station est de 3 m. À l'échelle de Bevoumang, le niveau de l'Ikyup est de 2,19 m. Le niveau a baissé de 0,06 m en 24 heures, mais montera durant les 12 prochaines heures. La cote de vigilance de menace de danger au jaune à cette station est de 4 m. À l'échelle d'Ampitatafk, le niveau de la Sissonne est de 2,76 m. Le niveau a monté de 2,38 m en 24 heures et continuera à monter durant les prochaines 12 heures. Le niveau de l'Ikyup continuera toutefois de baisser dans les prochaines 12 heures à l'échelle d'Antelmid. Ambumanamboul apparaît pour le niveau de la Sissonne à l'échelle d'Anjamas ainsi que de l'Imamb à l'échelle d'Ambuidjou.